chiffres le prouvent, si vous parlez des chiffres en pourcentage du PIB, vous savez très bien, l'engagement des forces françaises en Afghanistan participe de cette volonté, et sur un choix... On va être pleinement dans l'alliance et en même temps on veut pousser l'Europe de la défense. Et du côté des Américains, le donnant-donnant, c'est la France rentre, mais l'Amérique approuve, soutient la démarche qui consiste à construire un pilier fort à l'intérieur de l'alliance. Et plus l'Europe est forte, plus ça renforce l'alliance. D'accord. Eh bien, soyez performants, monsieur. Nous sommes alliés, les Américains, nous ne sommes pas des vassaux. Et qu'on le veuille ou non, la symbolique, c'est la France rentre dans le rang. Et du coup, vis-à-vis des pays arabes et de beaucoup d'autres, nous n'allons plus avoir la même réalité politique. C'est une décision extrêmement grave. Moi, vilain, Lardeux, André Lardeux. Okay. Le gouvernement a abandonné la stratégie gaullienne d'indépendance de la France, et nous sommes un certain nombre très opposés à cette décision qui n'apportera rien à la France et qui va lui faire perdre une image, un rôle mondial. Donc j'ai trouvé les ministres très, très hypocrites dans cette affaire et très incohérents. Ils abattent leur carte, ils font perdre la carte de l'indépendance à la France sans rien obtenir en échange et sans avoir une vision de la politique de défense de l'avenir.